Bonjour. I'm only. Hey, aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo. J'ai décidé comme vidéo, j'ai vu de plus en plus que ma vidéo conseil numéro 1 dans Free Flight 3 est vraiment populaire. Plus d'environ 300 vues, 400 vues la dernière fois j'ai regardé. Puis là, je me suis dit pourquoi pas faire une nouvelle vidéo, mais comment prendre l'application DJI Go pour mon Phantom 3. Fait que ben c'est ça. En fait DJI Go App c'est l'application qui sert à contrôler toute la gamme de Phantom. Elle inclut le Mavic Pro et le Inspire One. Et check it out. Puis tu peux changer tes paramètres. Fait que je me suis dit ben pourquoi pas faire une vidéo là-dessus. Puis ça serait une bonne vidéo. Puis j'aimerais ça atteindre les 10 likes là, tu sais, ça sera le fun. Fait que, ben, pour commencer, ben, il faudrait peut-être avoir, oh boy, ça c'est un petit peu trop overpower. Fait que, pour commencer, il faudrait peut-être avoir la manette. Fait que je vais aller la chercher. La manette, on a ici le soutien pour mettre son téléphone, son iPad, iPhone, ça marche avec iOS et Android. Malheureusement avec mon Windows Phone je peux pas l'utiliser, c'est très plate parce que ben mon Windows Phone je l'adore. Alors comme première chose que vous allez devoir faire, c'est bien évidemment, moi j'ai mon iPod, vous le mettez. Juste l'adapteur. Ok, voilà. Ensuite, prenez votre fil. Dans mon cas, c'est le fil Lightning pour le iPod. Alors, vous appuyez. Là, je vais vous amener à l'anneau parce que je sais que vous allez pas voir. Puis ça va être très important de voir. Alors, à tout de suite. Alors. Vous allez commencer par ouvrir votre application DJI Go App. Ouais, en fait, c'est DJI Go. Alors, vous allumez votre manette. Ensuite, le drone. Une fois le drone connecté, vous appuyez sur Entrée vue caméra. Alors, les lumières que vous voyez flasher jaune, c'est parce que il est en train de se réchauffer. Alors, vous me voyez en ce moment. Je vais descendre la caméra. Voilà. Comme ceci. Alors, pour avoir un meilleur plan. Voilà. Alors, ici, vous avez PAT. Juste ici. Ce mode, c'est le positionnement par GPS. Alors, il est assisté par le GPS. Ensuite, vous avez ATI seulement. Il y a seulement les capteurs en dessous ultrason et la caméra qui est utilisée pour stabiliser le drone. Ensuite, nous avons ensuite P. Mais nous pouvons ici constater qu'il y a une nouvelle affaire. Alors, il y a des modes. Alors, vous avez Point of Interest, Waypoint, Follow Me, Home Lock and Course Lock. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer tout cela. Alors, commençons. Comme je le disais, ici, c'est le mode que vous êtes. Ensuite, ici, vous avez les GPS. Alors, j'en capte pas un. Ensuite, vous avez ici le signal de la manette. On voit qu'il est très bon. Ensuite, le signal du HD. C'est encore très bon. Juste à droite du signal HD, nous avons la batterie. Il reste 98%. Puis, si vous voyez une ligne ici, rouge, jaune, vert, puis ici deux petits raids, c'est le temps qui reste avant que le drone retourne à son point de départ original. Alors, c'est normal. Alors, ici, nous avons l'ISO qui est à 100. À quelle vitesse que le
capteur va se fermer. Ensuite, les petits réglages de pour la luminosité. Ensuite, là, nous avons les white balance qui est en auto. Ici, nous avons la SD, micro SD, comment il reste de temps et de photos sur votre carte SD. Micro SD en fait. Ensuite, ici nous avons ici pour faire tourner entre la vidéo et la photo. Ensuite, ici nous avons les boutons pour prendre une vidéo. Ici nous avons les réglages pour la vidéo, photo et les paramètres généraux. Ensuite, c'est ça. Ici c'est le Vision Position. Le positionnement par vision, en fait, si je le traduis. Ensuite, ici, nous avons la vitesse verticale. Alors, quand vous allez de droite, de l'avant en arrière, droite, gauche. Ensuite, ici, nous avons la hauteur juste en haut, ici. Ensuite, ici, la distance entre entre le drone et la manette. Puis, juste en bas, nous avons la vitesse à laquelle vous montez. Alors ici nous avons aussi la carte. Alors c'est comme ça. Je vais retourner. Puis c'est pas mal ça. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi aussi je l'espère parce que je trouve ça très important pour moi parce que moi-même je l'ai appris de par moi-même. Puis encore aujourd'hui je cherche encore des paramètres des fois. Des fois je comprends. Abonnez-vous, likez, partagez. Moi, je vais atteindre les 100 abonnés, c'est sûr.